Mesdames, Messieurs, la famille, tout un ami, frère, accès, compatriotes, moyens et tout un collaborateur qui est connecté tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme. Non? Nami quoi, c'est toujours servité. Nous amis, nous merci Dieu. C'est avec même l'amour, même plaisir, même détermination, même respect. Nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la ronde badé, nous comptons rencontrer. Une autre fois, m'a dit merci. Merci ou faites confiance pour capable informer. Et merci pour fidélité ou avec patience. Et si c'est pour la première fois ou tomber sous channel ça, m'a souhaité ou bienvenue. Et sous remettre avec la fête là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification pour capable toujours être informé. Jeudi à ce mardi, nous vivons mardi 31 janvier. Moi, janvier a été voltigé, il finit sous nous là. C'est premier mois janvier, mesdames et messieurs, qui pressé, qui finit très vite comme ça. Mais nous là, eh bien, nous présents pour nous capables d'informer, nous porter pour toute nouvelle et cap dominer la bille pays d'Haïti. Nous pourrons présenter au journal créole Méga Matin. Je nous tout nous connaissons Méga, c'est et puis gros réseau radio haïtien gagné sous la terre béni avec staff nouvelle ça information yo sous pays d'Haïti. Écoutez radio Méga gros radio li fait 5h du matin, démarrer journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, dans le Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baille plus d'informations que tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans Sud Floride, là, dans les États-Unis. Jeudi à ce mardi 31 janvier 2023, deuxième sortie journal Méga Matin pour ce maintenant. Bonjour, bonsoir tout le monde, toujours avec la même plaisir, même fougla, même détermination pour nous caboter banon. Trash information si là. Bonjour, bonsoir avec différents collaborateurs dans les États-Unis, précisément dans Miami, qui a fait travail technique. Ici en Haïti, c'est Marcel Joseph qui a viré Boutonio. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bonne journée mardi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça veut dire que prenons la guerre pour développer dans le journal là pour matin, mardi, si là, fusillade dans la commune Pétion Villa dia la cause a eu mon mouri, puis elle a blessé dans la rue Rigaud, population dans la commune s'est plongée dans l'inquiétude par rapport à gang torsel là, qui va suspendre l'espace dans Pétionville, habitant demandé avec autorité pour prendre responsabilité surtout, côté NEC armé, Vlépra Pétionville lettre, alcoolé, chaque jour qui passait. Faut que nous disions attaque, ça arrivait pas d'un policier commissariat Pétionville, il a organisé veiller pour quatre agents qui étaient tombés dans Métivier, funérailles et policiers sérieux, t'as dû chanter matin à l'académie police là. Coordonnateur général Sinapoa, Lionel Lazare, a minimisé rapport directeur départemental police la Tibonite là. Jean-Bruce Myrtille a metté dehors sur incident qui la cause. Six policiers perdent la vie. Dans le document ça, DDA indexé 3 regrets DPNH qui planifié carrossa dans le département la Tibonite. Syndicat police national a qualifié règlement de compte. Rapport Sina, responsable Sinapoa, a mandé inspection générale pour tenter toute responsable police dans le département la Tibonite et puis faciliter policiers victimes de joindre justice. Pendant ça, la police a opéré là quelques changements de stratégie dans la police. Là. Le commissaire Sergo Dasmi, c'est nouveau responsable commissariat dans l'aéroport international. Là. Commissaire divisionnaire prophète Joachim, c'est nouveau directeur, direction renseignement. Commissaire Aladé Jean-Louis qui Pétionville transféré dans DCPA. Installation au conseil de transition toujours à traîner pied. Premier ministre Ariel a annoncé Chita Palais à 4 mois hier lundi. Deux parties arrivées en temps pour installation faite commencement semaine cap vini là. Gagné plusieurs partis politiques qui attaquent coup OPL à Mopod à Petit Dessaline Unir Haïti Gré qui a annoncé la mettre têtu ensemble pour chercher une autre alternative pour payant. Face à l'accord 21 décembre 2022, ça, qui est déjà un échec, selon Papa l'OPL, à Daniel Siriac. Ancien sénateur Steven Benoît a démissionné comme premier ministre à Montana, dans une lettre livrée par CNTA, il dit prend décision ça pour faciliter l'acteur au jeune consensus national. Ancien parlementaire a suivi le premier ministre Ariel Henry fait même route à clé.
Gagnez là pendant visite li dans Miami, secrétaire d'État des États-Unis, Alejandro Mayorkas, lui-même téléphone programme parole humanitaire que l'administration Biden lui-même a lancé devant la communauté haïtienne dans Miami, dans Leader Haïti. Et côté magistrat Miami Dade, Daniela Levin Cava, dans l'interview libre Radio Mega Ayano Diatou, Mayorkas Alejandro, confirmé qu'il y a pile haïtien qui déjà rentré aux États-Unis grâce à programme humanitaire à parole. Ancien sénateur Jean-Charles Moïse a critiqué le programme Joe Biden dans l'école qui a encouragé Génio quitter le pays. L'idée petite dessin n'a quoi gagner une majorité de monde qui a prêté dans le pays pour bataille pour changer la vie ici. Ancien parlementaire a quoi gagner divers. L'autre façon, États-Unis et KBD a été gagné volonté pour ça. Pour essayer à quatre divers, l'autre préfet ciel, la deuxième sortie journal Méga Matin pour au matin mardi 31 janvier 2023. Nous avons un débat régional avec un rubrique à traverser. Nous voyons qu'on est un cas à traverser dans la région métropolitaine Port-au-Prince ce matin avec différents collaborateurs. Nous avons Abdias Arisil capoté pour nous rubrique prix à manger. Nous prenons qu'on est au premier goût de besoin pour un dollar américain selon BRH pour matin. Et dans le journal, c'est pour la rubrique météorologique Junéan avec un collaborateur. Nous, Jean-Willer Sévère. Restez là, pas tout monter bouton radio. Je ne toujours dis là. Nous sommes Radio Méga qui s'est pris gros réseau radio haïtien dans le monde. Vous pouvez suivre Journal Méga Matin. Journal Méga Matin, c'est nouvelle bail. Nous retournons dans quelques secondes. Jean-Yé Matin, nous avons déjà attendu son antenne Radio Méga dans les 7h30 dans le matin avec Alex Saint-Surin, qui d'après ses voix, numéro un département sécurité intérieure américain, Alejandro Mayorkas, les mêmes côtés hier, il était en visite dans Miami. Mais effectivement là, nous pourrons venir avec détails sur ça. Numéro un département sécurité intérieure américain, Alejandro Mayorkas, a visité hier lundi à Miami, côté de rencontrer officiel élu, leader de la communauté haïtienne à Cacuméon. Monsieur Mayorkas a tenté justifier raison et efficacité programme humanitaire par Roland qui devait permettre citoyens de quatre pays, j'en connais déjà, qui c'est Haïti, Venezuela, Cuba et Nicaragua, entrer légalement aux États-Unis depuis un compatriote qui légal capable sponsoriser qui donc pour monde aux États-Unis qui légal qui capable dit bon la prend ça en charge la sponsoriser mais la faciliter au même pour appliquer et puis des pour appliquer conditions éligibles ou à participer bénéficier programme parole humanitaire à la tête Homeland Security prend initiative ça dans au moment fait qu'on est que dans au moment 20 États réputé républicain parmi eux, Florida, ils ont même décidé d'attaquer le programme en justice pour inconstitutionnalité et excès de pouvoir. Dans l'intervention dans le centre culturel Leader Haiti avec la communauté HNN, Alejandro Mayorkas défend l'égalité programme humanitaire parole et critiquer les républicains qui préfèrent attaquer solution à problème migration illégale. Bien souvent, il y a plein de poulies. Républicains ont cherché à discréditer le programme et ont voulu fermer barrière pour Haïtiens, Cubains, Vénézuéliens et Nicaraguayens. D'après Saoudi, dans l'interview de Radio Méga, j'ai dit là avec Alex Saint-Surin, on dit numéro un département de sécurité intérieure fait louange à Alejandro Mayorkas, fait louange pour le programme humanitaire parole, qui déjà a un succès, les confirmer 30 000 personnes à rentrer aux États-Unis chaque mois, sorti dans quatre pays concernés et déjà grand pile de monde qui rentrait. Nous déjà recevons, n'a cité Alejandro Mayorkas, nous déjà recevons application, approuvé application et déjà des monde qui entrent dans le pays par avion, dans quatre programmes ça. Nous avons priorité à application qui fait dans quatre programmes ça.
pour nous aider les gens qui ont besoin. Le secrétaire de sécurité intérieure américain, Alejandro Mayorkas, a plusieurs raisons qui fait gouvernement avec le gouvernement mettre le programme humanitaire parole ça en place. Une raison, selon Saldi, c'est à cause du risque les gens qui voulaient rentrer aux États-Unis prend pour la vie, leur prend route la mer. Alors que c'est un risque pour rien, comme si qui pas parfois ils ont fait tout sortant de là, et bien les arrivés sortant de la garde côte américaine pour arrêter yo au pimpio vous retourner soit en Haïti. Selon ça, qui dit et beaucoup t'il l'avancer toujours. L'effet qu'on est que l'ouè trop tragédie, monde qui mourit, famille qui a souffri, qui perdit proche les proches, les essayer entrer illégalement aux États-Unis. Non, mais les trois dangereux, les difficiles à pile, les risques à pile, les gens pas à droit prennent route la mer. Ils prennent route la mer avec un gros risque pour la vie. Yo. Et risque pour la vie, les gens remet proche. Seulement pour yo venir et pour yo voir yo tourner. Puisque yo pas arrêté, yo pas vraiment arrêté par rapport avec la décision qui prend temps, bon côté autorité américaine. Yo. Mais nouveau programme ça, autorité yo prend pour yo rentrer aux États-Unis en sécurité et légalement et a autorisé pour yo travail aux États-Unis. Dans l'interview, ça, Alex Saint-Surin t'a demandé avec responsable Homeland Security, Alejandro Mayorkas, pour qui ça États-Unis pas aider Haïti, même gens avec Ukraine, qui je dis qui en guerre avec un pays et la Russie. Pour que l'ICA débarrasse de gangs armés. Mais c'est Alejandro, lui-même, Mayorkas, expliqué, c'est une principale raison qui fait Biden mettre le programme en place pour Haïti. C'est niveau violence, ça, gangs armés a fait en Haïti, qui fait que eux-mêmes, ils ont décidé de mettre le programme ça sous pied pour aider Haïti d'après ça, fait qu'on est. Alejandro fait qu'on est. Moi, apprécié belle question, ça. Qui t'aime dit deux paroles, deux interventions. Nous comprenons et nous bien au courant niveau violence gang armée a fait en Haïti. C'est une raison importante qui fait nous commencer programme ça et qui fait nous avancer avec rapide. Ak moun qui applique yo pour rapidement nous capables soulager yo. C'est pas une bonne idée pour moun courir pour danger gang yo représenté seulement pour aller faire face à danger la meilleure représentée. Ça c'est sorti dans un risque de dans un l'autre risque encore sorti dans un problème à tomber dans un problème qui donc ou à sortir dans courir pour rivière ou à tomber dans la mer et c'est un gros risque. N'a regardé qui gens nous capables avec l'autre pays yo pour mettre sécurité en Haïti. D'après le secrétaire sécurité intérieure, programme ça, un programme en place sa parole humanitaire, hein, c'est pour monde qui rentre aux États-Unis en dit de façon légale, sécurité et pour le travail pour prendre soin pour eux. Alejandro Mayorkas décourage haïtien yo pour yo pas faire voir question la main illégale. Li quoi yo pa gen aucune chance pour yo rester dans pays États-Unis depuis entrée illégale et présenter programme humanitaire parole là comme une alternative pour aider yo rentrer aux États-Unis légalement. N'a pas rappelé 25 avril cap vini là dans tribunal fédéral district sud état Texas juge conservateur Drown Tipton a gen pour tendre argument 20 États qui attaquaient le programme en justice pour question illégalité et avec argument administratif qui est même avant administration, ça que Biden lui-même mettait campé qu'il prend décision ça, puisque ensemble États saillot trouvait que Eodi programme ça violait loi sous affaire immigration aux États-Unis. En gros, c'est ça qui t'est dit dans l'interview que Alejandro Mayorkas t'est bas avec Alex Saint-Surin hier, côté Alejandro Mayorkas t'est en visite
dans Miami, il était rencontré communauté haïtienne avec cubaine. Dans Miami, il était profité parler avec Andy Alex Insuin, collaborateur. Nous allons dans un moment, mais il faut dire BCPDG nous, mais qui lui-même t'a fait travail journaliste dans l'interview, ça a été réalisé en anglais avec Alejandro, mais ça s'est résumé en bon créole, pour nous dire bien, interview ça que Alejandro lui-même l'était répondre avec question Alex Insuin. Mais ça qui est important que hier, Alex Insuin dans l'interview que tu as gagné avec Romane samedi, dans l'émission Booster, que tu attendais, sous question, tu as demandé, qui ça expliquait que pays Ukraine, alors États-Unis pas qu'à aider Haïti, même je l'ai aidé pays Ukraine dans le matériel, dans le ensemble moyen, dans la guerre qui déclenche un pays Ukraine avec. Et là aussi, je me dit, oui, c'est une très très belle question. C'est une belle question que Alex posait. Mais qui savait comme réponse, il y a une réponse concrète que le bail. Mais il montre que le programme, ça, qui souvient, son programme qui pourrait aider Haïtiens, on comprend, et qui était payé ou bien entre les États-Unis illégal pour courir en bas question action gagno. Et pendant que et situation jeudi, pendant que nous avons rappelé que dans le mois octobre 2021, nous songeons, demande résolution qui est faite à bon côté, le gouvernement en place à Kigenateri Ariel Henry, qui m'a dit avec international, on dit pays membre conseil sécurité l'ONU, pour garder comme un cavon force étrangère militaire venir aider nous dans matin sécurité. Jusqu'à présent, si on dit octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois, jusqu'à présent là, au pas, et au senti que volonté bon côté, communauté internationale là, pour venir aider Haïti, dans voyer sans délai de forces étrangères militaires. D'ailleurs, où est son véritable bataille entre États-Unis, qui a demandé Canada pour le prendre et leadership, question ça. En tout cas, problème yo, je dis, j'aime toujours dire, et son vérité qu'en pile dans nous, et moi, c'est vers tout, je dis là, et nous-mêmes, tout capteur des journaux là, que c'est ça que moi, j'étais quelque lié. Priorité chagrin haïtien qui est encore vivant, bien dit, qui est encore vivant là, sous bouteille d'Haïtien là, priorité, c'est sécurité. Ya. Pendant que autorité yo, dans le niveau CSPN, PM annoncé là, bail matériel, et c'est pas jeudi à la fin annonce à yo, bail matériel, promet, l'imandé pour sécuriser espace aéroport là, mais pour sécuriser espace aéroport là, mais si la paix patale bien dans divers rues, comment au monde qu'elle fait arriver dans l'aéroport, soit pour le voyager, mais pour quitter, pour l'entrée, pour aller à la caille. Ça, c'est premier bagage. Pendant qu'en pile ambassade, consulat fermé porte yo. Pendant cet tout, et comment, DGA, il a voulu ça, comment il y a encore, France LB? Oui. France LB a annoncé tonade dans 2-3 jours, bien, un jour après, tonade 1, un jour après, et tout qu'elle évitait l'homme dans lui-même, l'écraser plate à terre, et sous commissariat Peigny, après que tu fais mettre dit fait la donne. J'aime te dire, il y a chef ou pas parler ou pas plaigner, lorsque chef ou agit. Et pour ces chefs, il faut parler qu'il y a une notoriété là-dedans. Il faut parler qu'il y a un pouvoir, leur dit à gauche, à droite. Sinon, leur pas de pouvoir dans la parole, même si mon ou gagne, ou dit, font action, chita, papa les levé, même tado parce que la bio ou perdu doit grandir tout sous lit. On avance. D'abord, vous avez toujours été sous même dossier, ça, puisque gagne un reporter, nous, José Belamour, qui te réalise un reportage sous pile monde qui après direction centre livraison à réception document identité pour yo à soit à déposer passeport bien après passeport pile citoyen continue mobilisé pour faire passeport pour quitter pays à travers programme Joe Biden dans centre livraison à réception document identité continue à recevoir demande papier avec Pabacon. José Belamour a visité centre livraison dans rue Lama Port-au-Prince l'a présenté un reportage. Depuis jour annonce programme Joe Biden nan, en pile citoyen continue mobiliser pour faire pièce identité yo, sitou passeport pour profiter occasion ça pour quitter pays ya. Yo considéré comme yon en fait environ un mois depuis programme nan lancé, embouteillage yo après poursuivre dans différents centres réception ak livraison document identité yo. Li fè midi, nous devons centre la main à Port-au-Prince. Citoyen en ligne bien serré en bayon soleil chaud vin chercher ou bien vin faire passeport yo junior c'est non nous bay jeune garçon ça depuis 5 heures matin li devant centre jusqu'à midi ni beaucoup même ka rentrer dans espace là il y a des moun là qui gen dans la liste mais c'est temps le jeune l'autre nom et puis l'elle fin dans nuit et puis du moun ça yo y a donné demain yo pas même rendre compte côté moun dans sorti devine là déjà mercredi a va passer jeudi des problèmes vendredi des problèmes là depuis 5 heures du matin malheureusement nous pas cité qui donc c'est avec un pile difficulté
possibilité pour yon moun rive faire passeport. Certains là-dedans yo qui découragé chita sous trottoir yo, sans compter si là yo qui abandonné pour retourner dans demain. Ce n'est pas du tout facile pour un moun arrive faire passeport là. Il était très difficile là pour arriver faire passeport là. Dans l'embouteillage, c'est pas facile du tout. Malgré tout ça n'a décrit là yo, quelques citoyens quoi c'est sorte ça qui bail plus bon service. Comparativement à Claude Biro dans Port-au-Prince, il était tout profité fait quelques propositions pour faciliter l'état bail service la paix bien dans différents bureaux. Pas quitter circuit camionnette fait dans zone ça. Imagine regarder volume moun là et puis une machine aller-retour motocyclette pour là c'est les moun mouri ou attendre Abdou, on va les vider. Et nous pas souhaiter que pour l'état toujours être en pompier. Sur 7000 migrants qui déjà rentrés États-Unis dans programme ça, il y a 2000 citoyens haïtiens qui joignent chance l'entour d'après ça CNN rapporté. Pendant temps ça, l'état a tâtonné pour joindre une formule pour permettre haïtiens de joindre passeport yo plus facile. Dans le bureau l'Alia, autorité a annoncé au campé sous recevoir des demandes. Yo l'ouvre des nouveaux centres qui c'est pas Sainte-Thérèse, Pétionville, Acpac, Gymnasium Vincent qui pourquoi fonctionner normalement. Dans une visite Radio Méga fait journée lundi 30 janvier, nous constater bureau a fermé. D'après information nous y rejoindre, les carré l'ouvre mercredi cap venir là. Josué Belamour, Radio Méga. Merci à pile collaborateur, nous, José Belamour, l'avancé avec l'autre information dans le journal-là, qui est coordonnateur général Sinapoa, Lionel Lazare, qui minimisait rapport directeur départemental police, la Tibonite, Jean-Bruce Myrtil, mettait de Yowa, sur incident qui la cause, assassinat plusieurs policiers dans Liancourt, mercredi, qui était exactement 25 janvier 2023, syndicat loi, fait qu'on, c'est dit quoi, syndicat, le fait qu'on est là, demandé côté service, renseignement, ça, l'IPAT vraiment éviter l'amour policier sa yo. Lionel Lazare a fait qu'on ait rapport ça. Plus semble yon règlement de compte entre policiers yo. Responsable Sinapoa a mandé inspection générale pour tendre tout responsable policier dans le département de la Tibonite pour faire lumière à ce dossier-là. En écouter Lionel Lazare pour plus de détails. Nous au niveau Sinapoa, comment nous comprendre ça? Son rapport que, bon, nous pas considérer ça comme un rapport. Nous plus souhaitons qu'un chef qui a un problème avec l'autre chef, puisqu'il y a qu'ils ont pas quelques monde. Je dis à la pour qui ça que direction départementale la Tibonite gagne un service de renseignement qui fiable comme ça, et pourtant le pas de gens prévoit, le pas de gens moins que policiers t'a pas le mourir. Est-ce que pas de gens connaît que complot ça t'a fait pour t'assassiner policier? Parce que en rapport ça, nous avons bah, que directeur a dit. Par exemple, directeur t'a fait qu'on que c'est 6 bandits qui tombent, il y a 2 policiers blessés. Directeur a fait qu'on que c'est lui-même qui t'a voué renfort parce que ça vient été attaqué. Le policier a été attaqué commissariat pendant 3 fois. Directeur a fait connaître que c'est non, ils ont dispensé que les policiers ont entré, non clinique dit policiers ont entré, et puis tout, ils ont pris corps pour les bandits, pour les policiers, ils ont tué. Donc, nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous demandons que pour l'inspection générale, avec la justice, tendez responsable département, la Tibonite, directeur départemental, là, responsable renseignement, à tout responsable opération dans le commissariat ça, pour venir fournir explication, pour connaître que dans quel contexte que Negio mourit, et pour venir tout, pour parler de complot, puisque le dit qu'il y a des policiers qui, c'est eux qui ont exécuté l'autre pour assassiner un ensemble de responsables dans le département. Qui donc, nous croyons que, je dis à là, il faut que bagaille fini, ça fait que nous-mêmes au niveau Sindaboa, nous demandons faut que l'inspection générale tende responsable ça et faut qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des mesures qui prend contre tout monde qui t'a impliqué dans la mort policier. Comment qu'a imaginer 5 jours après ça qui fin passé à service renseignement produit un rapport rapide. J'ai l'impression c'est plus bon service renseignement que le pays d'Haïti gagne pour qui ça que yo pas mettre à la disposition pays a. Ensuite tout pour qui ça date ça tout qu'on policier pas jamais joindre. Est-ce que service renseignement ça pas travail pour qu'on ait qui côté corps policier oui. Nous-mêmes nous disons au niveau Sinapoa, il faut que justice joigne, il faut que famille policière joigne justice et il faut que gagner des sanctions qui prend contre directeur départemental la Tibonite là avec ensemble des responsables qui ensemble avec l'IA parce que nous-mêmes au niveau Sinapoa, il faut que ça finisse, il faut gagner des sanctions qui prend contre ça et son rapport nous pas considéré comme ça un rapport comme nous garder dans chercher information nous ouais que c'est dans service renseignement direction départemental la Tibonite là est sorti. Nous souhaitons que le responsable fournisse plus d'explications avec l'inspection générale ou bien avec la justice haïtienne par rapport avec le rapport ça. Parce que nous venons estimer que nous sommes trop méchants et nous avons gardé son rapport.
qui a acquisé monde, a acquisé monde qui était ceci, qui était cela. Même c'est pas ça que nous voulons qu'il y ait des sanctions qui prennent, il y a des décisions qui prennent pour permettre que l'inspection générale tende directeur départemental là. N'a toujours été sous même dossier sergent noté.